plein de gens qui viennent et qui cherchent dans leur langue le mot paix. Et ces poèmes de Rumi qui écrit tout. Ce que j'explique, ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, c'est que la souffrance de cette petite fille en Afghanistan, ou les gens que vous voyez, cette grande père rwandais, quand ils souffrent, cette souffrance, ça nous influence aussi ici. C'est ça que j'explique, c'est ça que j'essaie d'expliquer, que finalement, c'est notre rôle, c'est dans la vie, d'essayer d'atténuer cette souffrance humaine. Pas vraiment la valeur de quelque chose qu'on possède tant qu'on n'a pas perdu. On ne sait pas ce que c'est la liberté tant qu'on ne vous a pas mis en prison. Et on ne sait pas ce que ça veut dire pouvoir dire ce qu'on a envie de dire ou écrire ce qu'on a envie de dire. Tant qu'on n'est pas venu casser votre plume et votre doigt avec. Dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, on vous casse le doigt et votre plume en même temps. L'histoire de ces massacres, ça existe déjà, c'était complètement documenté par tous les historiens, par tous les journalistes, ça existe dans toute la presse du monde, qu'il y a eu un massacre à Khojaly dans ce village. Alors de venir et déchirer ça, c'est un vrai acte anti-humain, anti-histoire, anti-réalité. Et dans ce cas, ben demain, on va voir les Russes qui vont arriver en disant que ben non, on n'a jamais occupé Afghanistan et que tout ça, c'est faux. Enlever la photo d'Afghanistan. Et il y a une autre qui viendrait dire ben, il n'y a jamais eu de massacre de Rwanda et Burundi, le génocide, donc il faut enlever ça. On est rentré dans une phase d'engrenage complètement inhumain par rapport à ce qui se passe ici. Vous comprenez ?